Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Planet Crafter. Alors aujourd'hui, je ne pensais, comme je dis dans les vidéos précédentes, finalement à chaque fois, je ne pensais pas refaire une vidéo d'aussitôt sur Planet Crafter. Mais en fait, on m'a dit que j'étais passée à côté de certaines choses et donc nous allons aller vérifier ça ensemble, notamment d'une zone qui est... Alors je l'ai vu dans la dernière mise à jour en fin de compte. Qui est en fait du côté des grottes des différents quartz. Alors attendez, je sais plus, j'ai pas mis de TP là-bas. Non, j'aurais pas eu ce bon sens. Je sais plus. Est-ce que j'en ai mis un? Non, rouge, c'était le nouveau biome. Cela dit, on s'en approche. Ce que j'aurais pu faire peut-être, c'est petit coin sympa, on s'en approche bien. Allez, on va se TP là-bas. Et je vais essayer de retrouver le coin des grottes. Alors attendez, je sais même pas ce que j'ai. Ah, mais j'ai mon sac plein. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée de ne pas réfléchir plus loin. Alors attendez, je repars à la maison. C'est un faux départ, donc. C'est un faux départ. Et je vais aller ranger quelques affaires. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, il y a quelque chose qui arrive, qui tombe du ciel. Rien de passionnant, enfin rien d'intéressant pour moi en tout cas. Alors attendez, les portails, c'est là-bas, donc on va mettre ici. Non, c'est là où attendez, voilà, on peut les poser, hop là, ça secoue un peu, ne vous arrêtez pas à ça, il n'y a pas de souci, on gère. Alors attendez, ça, multiplicateur de production, ça je vais le mettre à vendre, tout ça. Je vais le mettre à vendre parce qu'en fin de compte je vais pas les collectionner, j'en ferai rien. Voilà. Multiplicateur d'énergie. Je sais pas du tout, je garde pour l'instant. Allez. Et attendez, poudre explosive, donc ça c'est à l'étage si je dis pas de bêtises. Hop là, je me suis un peu vautré là. Je vais y arriver. Je crois que ça secoue, ça perturbe un petit peu ma maîtrise pourtant incroyable du vol. Je vais pas pouvoir entrer. Attendez, je refais. On reprend. Hop là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, on va poser ça. On va poser ma bouteille d'eau, je vais la boire bientôt. On va poser ça, voilà. On a un peu d'explosifs si jamais on en avait besoin. Bouteille d'eau, ça va disparaître. J'ai pas de nourriture par contre, ça c'est un peu regrettable finalement. Alors, hop. Est-ce que par hasard, je pourrais pas prendre au moins, hop, un peu de nourriture. On va poser. Donc... les fusibles, c'est ici. Oh, j'en ai plein en plus. Je pourrais vraiment en vendre si je voulais avoir plus d'argent. Je pense que là, je pourrais clairement me faire plaisir. Sachant que niveau argent, j'en suis où? 390 000, ouais. Attendez, on va vite fait passer là-bas. Quoique non, c'est pas le sujet du jour. On arrête de se disperser. On se contente de l'essentiel. on a un circuit en trop... On va le mettre là, à sa place. Ensuite, bon, j'ai déjà pas mal de place, cela dit. Hein. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, bah écoutez, on va y aller comme ça. De toute façon, je sais pas ce qui nous attend, s'il y a beaucoup de choses à récupérer ou pas. Beaucoup de choses qui nous intéressent, en fait. Et je vais... On va relancer le TP. Voilà. Alors, normalement... la nouvelle zone... Alors, je crois que le quartz... Je sais plus. À chaque fois, je me perds dans... Il me semble que c'est par là, hein, qu'on a les... À moins que ce soit ça. Non, ça, c'est juste... Ça a juste changé, mais je crois pas que ce soit là. Je sais plus. Je me suis pas encore familiarisée avec la... Avec la nouvelle zone. Attendez... Enfin, la nouvelle zone. L'avant-dernière nouvelle zone. Ça, c'est quoi? Je me souviens même pas. On connaît ça? Ah, oh! Bah non. Bah non, on connaît pas. Très bien. Enfin, très bien.
Hop, on recule un peu. Oh, un nouveau vaisseau comme ça en extérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, bah, allons-y, allons le visiter. Bon, ça, est-ce que j'en ai besoin On verra après. Ça dépend de... On verra le taux de remplissage des coffres, d'abord. Alors, hop. Ça, bon, ça ne m'intéresse pas. Je laisse, hein. Je fais un peu ma fine bouche, mais bon. Ça, je prends. Ça prend pas de place, de toute manière. Bon, ça, je prends parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup. Voilà. On va allumer un peu la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce que ça fait partie des vaisseaux immenses comme maintenant on en voit quand on passe les portails? J'espère que non, parce que je suis pas partie avec ce qu'il fallait pour visiter ce genre de vaisseau. Alors, là, il n'y a rien. Ah ouais, il a l'air grand. Donc, il va falloir que je fasse gaffe, quand même. Ah oui, attendez, mais il y en a partout, je rêve. Et je vais pas trouver un coffre avec des... Ah, déjà, je pense qu'on aura un truc à débloquer ici. Alors ça, c'est nouveau, ça, en extérieur. Ok, bah, je vais peut-être pouvoir repartir, en fin de compte, et aller chercher... Je sais déjà plus d'où je viens. C'est magnifique. Alors attendez, est-ce que là, ça conduit... Ah, bah ça, on va le garder pour l'instant. On va le garder comme ça, on verra bien. Je suis arrivée par où? Non, pas par là. Ah, attendez, le sable. Est-ce que c'est le même sable? Ah, là, je suis pas passée du tout. Oh là là, il y en a partout. Au secours. Au secours! J'ai tellement été refroidie, je pense, par... Attendez, je viens de là? Non, c'était ça? Je sais plus. Alors, attendez. Ça mène où, ça? Ah, ok, bon. Alors, par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à trouver la sortie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au téléporteur et je vais aller chercher un peu plus de réserve, un peu plus de nourriture. Je vais en reprendre au moins un sachet. Je vais aller prendre aussi de quoi ouvrir la porte de la salle des coffres. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas loin d'un TP. Hop. Alors, je m'attendais pas du tout à un vaisseau de cette ampleur. Donc, bon, le fer, je pourrais m'en débarrasser, ça, c'est pas un problème. Là, je suis pas sûre d'avoir besoin de beaucoup d'espace, en fait. Je suis pas sûre. Donc, attendez, je vais prendre un peu de nourriture. Hop, supplémentaire. Bon, j'ai 3 bouteilles d'eau, c'est quand même pas mal, surtout que je pourrais boire juste avant d'y rentrer. Il me reste un explosif. Est-ce que j'en prendrai pas? Est-ce que j'en crafterai pas un autre? Éventuellement. Ah bah j'en ai déjà. Ok, très bien. Je pense que ça suffit. Allez, ne soyons pas trop radins. Ici j'ai quoi? Ah, ici j'ai du bazar. Ici j'en rajoutais un petit peu plus. En fin de compte. Voilà, ça me fait toujours 2 places en plus. Ok, donc là j'ai un... J'ai de l'eau, j'ai 3 bouteilles d'eau. Et alors attendez. Donc on va repartir en fait au portail. Est-ce que je prends au cas où une bouteille d'eau supplémentaire? Ouais. On est d'accord qu'on n'aime pas trop l'idée de mourir. Ok. Donc je vais aller au portail. Je vais prendre quelques... Alors attendez. Il me faut ça, j'en prends 2 au cas où. Je sais pas s'il y a qu'un truc à ouvrir. Et ça, je vais en prendre plusieurs. Pour le coup, bah... J'aurais mieux fait de les garder. Mais bon. Qui aurait pu prédire? Alors,
on va repartir à petit coin sympa. Et donc c'était par là-bas, hein, c'est ça. Hop, je rebois vite fait. Et on va aller explorer ça. Je m'attendais pas du tout à explorer un autre vaisseau, sachant que je pense qu'il y a encore autre chose que je n'ai pas vu, parce que il me semble qu'il y a une zone derrière, enfin un vaisseau, derrière une cascade. Bon là, on n'est pas vraiment passé derrière une cascade. Alors, maintenant qu'on est là, on va peut-être mettre un truc ici. Voilà, on va le mettre en jaune. J'ai envie de le mettre quand même en... changer la couleur. Je vais mettre un bleu assez vif. Parce qu'en fait, des fois, alors, quand on... en rouge, c'est quand on a en fait activé en fait une partie du vaisseau. Je sais pas s'il y aura une pile qu'il faudra mettre dans celui-ci. Et en jaune, des fois, c'est avec la... En fait, la météo, des fois, on a l'espèce de couleur jaune partout. Et finalement, on s'y retrouve pas tant que ça. Ah bah là, il y a un coffre. Ah bah d'accord. Bon, je prends, et c'est pas du coup, je prends. Ils étaient là, en fait. Bon, ici, c'est une impasse, on est d'accord. Ok. Bon, là, je pense que je peux me souvenir que au tout départ, là, on voit le bleu ici, donc c'est pas trop mal. Est-ce que je le remets par là, le bleu? J'en mets un deuxième. Hop. Parce qu'après, maintenant, ça va pas se passer que par là. Hop. Donc ça, on avait vu. Ok. Attendez, ça, on avait vu. Est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'ici, c'est un rouge? Hop. On va en user, hein, mais... je pense qu'on n'a plus le choix, là. Il faut y aller. Si on veut pas finir notre vie dans ce vaisseau, je pense qu'il faut oser. Alors, là, est-ce qu'on pourrait mettre... ici, c'est le bon escalier. On va le mettre en bleu, mais un bleu un peu plus clair, en fait, peut-être. Pour nous dire, c'est bon, c'est la bonne direction, mais c'est pas la sortie directement. Alors, bon, là, il n'y a rien. Alors, c'est... Donc, ici, on a le truc. Et là, on peut mettre une clé. Voilà. Ah, mais je sais ce que j'ai oublié de prendre. Mais quel imbécile, j'aurais dû prendre une pile. Parce que c'est sûr, j'en aurais besoin, vu que je pense que cette porte-là, elle est censée s'ouvrir. Hein, je pense. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, je prends parce que ça se vend. Ça, je prends parce que j'en utilise beaucoup, visiblement, aujourd'hui. Ça, je prends parce que c'est toujours intéressant d'en avoir. Ça, je prends. Je suis pas sûre de m'en servir, mais c'est pas grave. Bon, allez, je prends tout ça, mais vraiment pour le souvenir. Bloc à lumière, je n'ai pas besoin, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà aussi. Espèce 4, je prends. Celui-là, on est d'accord. Hein. Oui, ça, c'est sûr que je l'ai. Ok. 500, ça je prends si j'en ai besoin d'un autre. Je prends. J'en ai pas spécialement besoin, mais tant que j'ai la place, je prends. Je renégocierai après si finalement... Alors attendez, est-ce que je mettrais pas un rose ici, par exemple? Juste, attendez, j'en ai combien encore en stock? J'en ai 4, j'en ai pas beaucoup en stock. Je vais le mettre en... Voilà, une couleur qui n'a rien à voir. On va mettre en rose. Pour indiquer que c'est ici que j'ai la porte, en fait. Si jamais je trouve un coin à ouvrir. On va faire ça. Bon. Alors. Oui, là, on voit le rose. Comme ça, bon, je m'en souviendrai jamais. Hein. Soyons honnêtes, je ne m'en souviendrai pas. Mais c'est pas grave. Donc là, je reviens à l'étage finalement précédent. On va voir ce que ça donne. Non, d'accord, c'est juste un couloir. Ah ben, je récupère si jamais j'en ai besoin. Ah, mais là aussi, il y a des trucs, là. Bon, on verra après. Enfin, il y a une porte, quoi. Si ça se trouve, elle ne s'ouvre pas du tout. Hein.
Je sais pas du tout. Et puis alors là, c'est le bazar. Bon, on va commencer à détruire le bazar. On va bien voir où ça nous... Ah, ça par contre, ça recoupe, non? Ou pas du tout? Là, il y a quoi? Ok, ça je prends. Avec plaisir. Oh là là, attendez. Me dites pas que je vais être bonne pour revenir. J'espère finalement qu'il n'y a pas de machine là avec où on met les piles à combustible parce que sinon ça va être l'horreur là. Oh! Bon, ça ok, d'accord, ça je veux bien. Et là, on a quoi? Ça, je prends. Attendez, on va boire. Ah, j'ai envie d'attendre quand même, parce que si jamais je me retrouve coincée, je vais m'en vouloir. alors. En bas, est-ce qu'il y a un petit truc à récupérer? Un petit coffre? Un petit quelque chose? Oui, il y a un coffre. Ok. Bon, alors du coup, on va faire un tri. On va poser ça. Je n'ai pas tellement besoin. Je prends ça pour m'aider à m'orienter. Et ça, je peux poser aussi. Bon, ça aussi, en fait, je peux poser. On va faire un petit peu de place. Soyons honnêtes, je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ok. Après, j'ai envie de voir, parce que si ça recoupe, autant ne pas tout ouvrir. On est d'accord que ça, ça amène là-bas. D'accord, donc là en fait ça veut dire que ici on peut dire que c'est rouge. Voilà. Ça j'avais fait? Je me souviens pas. Oh là là, mais attends. Ah oui, non mais là attendez. Ça c'est rouge, on a dit, on est passé par là. Et là, en fait... Ah, on a cette zone-là, oui. Cette zone-là... Et nous, on est arrivé par là, je crois. Oh là là, ce bazar. Alors, attendez, on va passer d'abord par là. Ok, je bois. C'est bon, vous m'avez convaincu. Bon, là, il n'y a rien. Attendez, là il y avait... On vient de là. Ça c'est sûr. Donc là, on va mettre un rouge. Voilà. Ici, on va remettre un explosif. Je sais pas du tout si ça fait mourir ou pas, mais dans le doute, je préfère m'abstenir de le tester. Alors. Ah, je vois la lumière bleue du dessus. Ça a quelque chose de rassurant, même si ça ne nous indique pas du tout la sortie, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Ah, misère de misère de misère. Pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'y ai pas pensé? Alors, attendez. Il faudrait que je me trouve un indice, peut-être. Alors, vert, c'était pour indiquer une des portes qui... non, rose, pardon, c'était pour indiquer une des portes qu'il aurait fallu que... Enfin, oui, il aurait fallu que je revienne. Je vais peut-être mettre un vert ici, justement. Pour dire, c'est par ici. Hop là. Je vais voir. Je continue par là, je vais aller explorer quand même. Et là, ça mène où? Oui, bon, nulle part. Donc, très bien. Donc là, je peux repartir. Sereine? Pas du tout. Voilà, donc là, on aura le vert et le rouge. Ok, très bien. On avance. Et donc, nous, on vient de là-bas. Et on avait dit que là, il n'y avait rien. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Alors attendez, j'essaie de faire un tour rapide, je me souviens pas. Ah, mais il n'y avait pas des... Si, 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 il y avait un truc genre là. Non. Il n'y avait pas un truc à ouvrir. Ah oui. Donc ouais, il faut pas le... Il faudra qu'on y revienne.
Donc, on est arrivé par là. Et donc, on repart par là. Misère de misère. Que j'adore ces couloirs sans fin. Ah! Oh! Bon, je repars immédiatement. Bon, vous remarquerez quand même que mes repères marchent pas trop mal, quoi. Ça va. Alors, je repars immédiatement. Je vais aller faire une pile à combustible, en fait, pour les, donc pour l'espèce de moteur là. Hop. Comme ça, au passage, je pourrais poser aussi quelques trucs, hein, vu que j'en ai pas mal sur moi. Attendez, j'ai loupé le. Ouais, il est là. J'avais bien fait de mettre une balise. Elle est très utile. Je suis très contente de mon investissement. Alors, ça, on va garder. Ça, on va poser ici pour l'instant. Hop. On pourrait poser les cristaux bleus. Ah, attendez, on va les mettre là pour l'instant. J'ai vraiment la flemme, pour être honnête, d'aller tout trier maintenant. On va poser. Alors attendez, est-ce qu'on a un peu de place en haut? Ah non, en haut, c'est ici. Je crois que c'est un peu la cata. Ça, on peut poser. Ici, on met les espèces, on a dit. Hop, les variantes. Ah oui, il n'y a plus de place, voilà. Bon, c'est pas grave, ça fait toujours un petit peu plus. Hop, voilà. Ah, mais on avait même. Oui, d'accord. On avait vidé, d'accord. Ok. Vous voyez que j'ai bien trié à chaque fois. Je suis bien revenue pour trier. C'est admirable. Attendez, hop, je prends une nouvelle ration. Au cas où, même si pour l'instant je m'en sors pas trop mal, mais je crois qu'il me reste pas mal à explorer. Des circuits, j'en ai deux à poser. Voilà, et on va craft. Hop, une pile à combustible. Je vais même en faire deux parce que je pense que c'est toujours bien d'en avoir une sur soi. Hop. Voilà. Bah, je repars de ce pas. Alors attendez, oui, c'est bon. Je repars. Il me reste combien de bouteilles d'eau? Trois bouteilles d'eau. Je pense que ça va. Je pense. Et je repars au vaisseau. Je bois un petit peu. Voilà, on fait le plein. Et donc, il faut que je retrouve le vert. C'est le vert où on a dit que j'avais une. Où j'avais le moteur là. Alors. Je sais plus par où c'est. C'est par là, non? Oui, j'en ai mis un deuxième là pour m'orienter. Bon, admettons. Rouge, c'est fait. On redescend. Là, on avait dit, c'est la bonne route, c'est par là, c'est pas la sortie, mais c'est par là. Je me refais mes dialogues. On a dit que là, c'était quelque chose à voir, mais c'était pas ça. Ça, c'était en haut, mais ça ne servait à rien. Le vert, donc tout au bout. Voilà, oh là là, et... Vous avez vu ça un peu, comme je m'oriente super bien? Là, vous voyez, maintenant, c'est en rouge. Ça fait un rouge partout. Donc j'ai bien fait de mettre une autre couleur. Alors attendez, je crois qu'on avait dit qu'on avait quelque chose par où. Non, c'était pas là. Bon, le vert, je me souviendrai que c'était la pile. Et en fait, voilà, ici j'ai pas barré parce que c'est là-bas qu'on avait quelque chose à récupérer. On avait une porte en fait qui a dû s'ouvrir. Peut-être là-haut. C'est ça? Voilà. Je m'en sors pas trop mal. Hein. Ça, je récupère parce que ça vaut cher. Voilà. Bon, ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Et alors, attendez. Là, on a rouge. On a. Alors, attendez. Si je sors d'ici, est-ce que je pourrais pas mettre un rouge global?
Là, on a un rouge aussi. On vient... On avait le vert. Donc nous, on venait de là. Il n'y avait pas plus de tuyaux avant ? Tout à l'heure ? Je sais plus. Je serais assez tentée de mettre un rouge par là. J'en ai encore pas mal, ouais. On va mettre rouge par là. Je pense que je viens de là. Et là, il y avait quoi ? Ah oui. Ok. Très bien. Ça, c'est encore la même. Ça, je prends. Je prends. Je prends. Bon, même si, honnêtement, la terraformation est terminée, hein, donc pas forcément d'intérêt. Et là, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Là, c'était les... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et là, on avait du rouge. Et là, attendez, c'était quoi ? Il n'y avait rien ici, non ? Oui, il y avait... Ah ! Ah ! Ici, il y avait des choses intéressantes, dites donc. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Et je serais encline à dire que... donc, on était allé par là. Et... donc là, il n'y avait rien. Là, il y avait le truc violet. Donc, je serais encline à dire que ça aussi, on peut rayer. On peut rayer. Voilà. Donc, je repars par là. Là, c'était... on est d'accord qu'il n'y a rien. J'aurais même pu barrer carrément ici. On va dire que là aussi, c'est bon. Je raye. Alors là, là on en revient près de la sortie, ok. On a la sortie qui est là. Et ça on avait exploré, attendez ça veut dire qu'on a déjà fait tout le tour? Parce que si j'ai tout barré... C'est qu'on est bon? Oh là là, magie, c'est dingue. Je vais peut-être un peu me la péter mais je suis quand même super fière. Je suis quand même très très fière. Alors, maintenant. Maintenant, je me demande si je vais pas aller... donc, peut-être dans les zones, c'est un peu plus près... je dirais par là-bas, où il y a toutes les cascades, en fin de compte. Parce que là, on a les cours d'eau, mais c'est pas forcément... on va tester. On va tester, parce que là, en fait, il y a une mise à jour, il y a... un jour ou deux. Et je crois qu'en fait, ce vaisseau-là, c'est ce qui avait été ajouté... lors de la petite mise à jour, c'était un petit... une petite mise à jour, c'était pas pour amener beaucoup plus de contenu, mais c'était plus pour faire un... d'après ce que j'ai compris, un petit remerciement parce que le jeu avait passé le million de joueurs. Si je ne dis pas de bêtises. Donc pour fêter un peu ce succès, du coup, ils avaient sorti une petite mise à jour. Attendez, non, là, je me suis éloignée, je suis partie du mauvais côté, au secours. Alors, on va aller voir par là-bas. Je me suis carrément éloignée. Je suis en train de me dire que à terme, il faudra que je renomme ma... J'ai un TP qui s'appelle Cascade. Je crois que je vais être bonne pour le renommer parce que là, du coup, aujourd'hui, il est peut-être un peu... Il est peut-être un peu obsolète. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas... non. Apparemment, c'est un peu caché. Donc, est-ce que ce serait pas... Oh, là, il y a un coffre. Ça, je l'avais pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Ouais, bon, pas tant que ça. Mais il y avait quelque chose, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre de trouver des petites surprises. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose derrière celle-ci? Allons-y. Aïe, non. alors, attendez, les cascades.
Je sais plus. Il y en a aussi. Il y en a une là-bas. Oh, attendez. C'est quoi ça? Hop. Est-ce que ça mène... Alors, est-ce que ça mène au nouveau biome, ça? Ou est-ce que c'est... Oh là. Oh là là. Est-ce que j'aurai accès d'explosifs? Non, j'ai pas assez d'explosifs. J'en ai plus. Je rêve pas, j'en ai plus. Non, mais au secours. Bon, bah, attendez. Attendez. Où est-ce que j'ai un TP? Attendez, là c'est la feignante en moi qui parle. Là on est... On est ici, on est d'accord. Hein. Je crois que c'est celle-ci. On a ce vaisseau qui est là. Attendez, on va partir tout droit. Direction plein sud. Faut que j'aille chercher des explosifs. Alors ça... Ça, je m'y attendais pas. Bon, pour être honnête, je m'attendais surtout pas à manquer de ressources. C'est un peu vexant, je sais pas pourquoi. Non, c'est par là-bas. Ah, quoi que j'avais un TP sinon là-bas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allons-y. Ce que je vais faire, c'est que... je vais prendre de quoi... Alors, je vais craft deux ou trois explosifs supplémentaires, au moins. Je pense que ça devrait être nécessaire. Je vais pas faire le voyage 10 fois. Mais peut-être que j'aurais pu me faire un TP, au fait, directement sous la cascade. Ça aurait pu être pas mal aussi. Je pense que j'ai les ressources nécessaires. J'ai suffisamment d'énergie disponible. C'est un peu... Faudrait que je coupe des arbres. Hein. Rasez-moi cette forêt. Alors, donc on a dit des explosifs, déjà. Des explosifs, ils sont où? Attendez, je les vois pas. Je ne les vois pas. Là. On va faire ça. Et on va faire... Attendez. Qu'est-ce qu'il me faut pour le TP? Pour le TP, il est où? Il me faut... Attendez, on va le mettre comme ça. Là, c'est bon. On va se calmer. Voilà, j'en prends 3. Je pense que ça suffira. Quoique, attendez. Soyons paradins, je prends, on verra après, surtout si je me fais un TP. Hop, on va prendre ça, ok. On va prendre, alors, zéolite, osmium. Hop, zéolite, hop. Tige de super alliage, ok. Et obsidienne, ici, ok. Qu'est-ce que j'ai comme TP qui m'approcherait de là-bas? Nord de la base. Attendez, nord de la base, ça m'amène où? Ouais, c'est vite dit, hein. Mais ça me rapproche un peu, je pense, en fait. Hein. Voilà, comme ça, je vais me faire un TP. Hein. Vous savez ce que c'est quand on commence à avoir la flemme, quand on commence à avoir les moyens de transport qui sont... si évidents, ben en fait on a la flemme. On a la flemme de devoir se débrouiller à pied après. Alors on repart là-bas, je crois que c'est celle qui est en face là. Il me semble. Je bois même si je vais passer mon temps dans l'eau, mais bon. On sait jamais. Dans le doute, on va quand même le faire. Voilà, c'est ici.
Donc, est-ce que je peux craft le TP ici? Bon, remarquez, pour l'instant. Parce que peut-être que je serais contente de le faire là-bas, en fin de compte. Alors, explosif. C'est parti. Ah, ça passe? Ça passe. Attendez, on va quand même en rajouter un petit peu. Voilà. Par contre, évidemment, au moment où j'arrive, il fait nuit. Mais nous avons... Ah, il nous manque de ça? Ah bah ça, c'est la meilleure. Bon bah, écoutez... Bon, je fais un TP ici. Hein, de toute façon, au pire, je le... Hein, au pire, j'enlèverai. On va l'appeler... On va l'appeler comment? On va l'appeler... On va l'appeler... coffre, parce que je pense qu'il n'y a qu'un coffre à l'intérieur. Hop, et on va aller à maison. Et donc il nous faut des puces supplémentaires. Je les ai toutes là-bas. Au portail. Donc c'est parti. Je sais plus combien il en fallait, j'en prends 3. Je pense que c'est bon. Oh, salut toi. Et donc, attendez, je mange, voilà, et je pars à coffre. Voilà. Oh ! Oh, d'accord, ok. Je coupe un bout de porte directement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça ne m'intéresse pas. Ok. Oh mais... Qu'est-ce que c'est que... Oh ! Alors, attendez. Oh mais attendez. Ah ouais, mais il y a une base, carrément quoi. Il y a quoi d'intéressant? Je prends... Non, je prends pas en fait. Je prends 2-3 trucs, mais... ça, je prends... Si jamais je me sens de replanter des trucs après, si... ou si j'en ai besoin pour X raison. Ah, là, il y a quelque chose à lire. Après tant de temps sur cette planète solitaire, je pense avoir trouvé l'endroit idéal pour installer mon dernier camp. Cet endroit est tellement bizarre, c'est hostile, froid et dur, mais j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour survivre. Comme si cette planète testait ma volonté de vivre. 3043, E-classe. Alors il faudrait vérifier peut-être à l'occasion les messages en fait des années, en fait, les années où on a récolté les messages. Alors attendez. Je vais dans l'eau, je sais pas si... Non, quoique c'est pas profond. Maintenant que j'en suis à aller fouiller dans les cascades. Mais regardez cette base là. Alors on va faire les petites d'abord. Là c'est quoi? J'ai enfin rassemblé suffisamment de matériaux pour construire une plateforme de départ. Oh! Si mes calculs sont corrects, il devrait me falloir environ un an pour terminer ce projet et pouvoir enfin m'échapper. Ah, voilà autre chose. On pense connaître les gens et en fait, on apprend en fait sur eux. Là, il y a quoi dedans? Ça ne m'intéresse pas. Bon, y aurait plein de ressources en fait à récupérer. Ok. Ok, alors attendez, ça mène où? Est-ce que je suis arrivée par là? Je sais plus. Oui, je crois. Hein. Enfin, de l'autre côté, mais... Alors, et là? Micropuce, micropuce, ça m'intéresse pas.
Il n'y a pas de nouveauté. Mais je pense pas qu'il y ait eu de nouveauté au niveau de l'apprentissage. Putain, mais il avait une jolie base, hein. Alors ça, on pose. Hein. On n'a pas besoin. Voilà, ça dégage. Ça, on n'en a pas besoin non plus, malheureusement. Oh, mais c'est bien, dis donc. Mais nous, on n'a pas de table comme ça. Je m'en fiche, je prends pas. Ça, je prends les couleurs, si jamais... C'est sympa son coin en plus, c'était plutôt joli. Alors, je suppose que lui, normalement, c'était pas censé être terraformé parce que. Pas de raison pour que ce soit qu'un coin qui a été terraformé. Et ici, on a quoi? Après tout ce temps, est-ce que quelqu'un sera encore là pour moi? Est-ce que quelqu'un se souviendra de moi si j'arrive à rentrer à la maison? Ne serait-il pas mieux que je reste ici? Après tout, cette épreuve m'a tellement changé, peut-être trop. Bah, je vais pas te mentir, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je sais pas ce que tu es devenu, mais j'aurais tendance à dire que. Ouais. Moi, à ta place, bah, moi déjà, je préfère rester, hein. Même si j'ai testé des scénarios où je regardais ce qui se passe quand on partait. Mais finalement, finalement, quand on connaît les différentes fins de l'histoire, on se dit que c'est peut-être plus sympa finalement de ne pas partir et de profiter de notre planète qu'on a bien terraformée. Alors attendez, là, je vois rien, on est d'accord? Alors attendez, je repars par là. Ouais, c'était par là qu'on est arrivé. Hein. Ou pas. Ah, ou pas du tout. Oh, regardez-moi ça. Oh. Je prends. Je laisse, je prends du coup, je prends les espèces, si jamais je m'en servir, je suis pas sûre du tout, mais bon. Je sais que je n'ai pas découvert tous vos mystères, cher gros rocher rouge, mais il est temps pour moi d'y aller maintenant, c'est mon dernier jour ici. Bon débarras, bonne chance. Oh, ça voudrait dire qu'il est parti? Et par contre, il a bien visé, hein, j'espère, parce que... Ok. Ah bah là pour le coup c'est drôlement intéressant, c'est notre pote quand même depuis le départ là qui on suit un peu ses aventures, qui sont un peu des indications pour la nôtre aussi de ce qu'on trouve au fur et à mesure. Donc est-il bien parti? A-t-il survécu à son départ? Nul ne le sait. Parce que bon, la théorie voudrait que... Enfin... Là, d'après ses messages, donc il a découvert ces biomes, par exemple, rouge, là. Mais en fait, théoriquement, vu que... Je sais pas. Après, les biomes existent, et je pense que certains sont indépendants complètement de la terraformation. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, il y a beaucoup de mystères là-dedans. Alors, je rentre à la maison... Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on en a pris un peu plus sur l'histoire. Je sais pas s'il y aura d'autres choses à découvrir par la suite. Et d'ailleurs, ça va être la fin de cette vidéo. Alors, je tiens à remercier Gécard qui m'a indiqué qu'il y avait cette zone-là, en fait. Je pense qu'il parlait de cette zone-là. Tu me le diras, Gécard, si tu vois la vidéo qui était derrière la cascade. Donc, une zone cachée où vraiment, on apprend plus sur notre pote, en fait, qui nous suit depuis le début. Alors, attendez, est-ce que je peux aller voir peut-être ici? Est-ce qu'on peut retrouver les messages? Ah non, c'était Riley, pardon, qui nous envoyait des messages. Et là, on avait quoi? Ah, I-class. Peut-être que c'est tout simplement plusieurs et que lui, s'en est mieux sorti, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a fait avancer un peu les gens qui ont testé d'autres condamnés, en fait, comme nous, qui ont testé de terraformer cette planète, et qui ont... il y en a un qui, visiblement, a réussi à s'en sortir, donc tant mieux pour lui, bravo, même si je pense qu'il aurait peut-être fait... il aurait eu meilleur choix de rester ici,
parce que moi je trouve que la planète est magnifique, donc autant y rester. Et on sait que les fans ne sont pas très heureuses au final, en fin de compte. Et, mais en tout cas, c'était très sympa. Et puis finalement, on a découvert aussi un petit bonus. Le vaisseau qu'on a visité en premier, ben ça c'était le petit bonus qui est apparu la dernière mise à jour. Mais c'est toujours sympa de voir de nouvelles choses qui s'implantent sur ce jeu, qui continue toujours à avancer, donc c'est très très cool. Je sais aussi qu'il y aurait un coffre doré à trouver dans le nouveau biome, mais j'y retournerai un petit peu plus tard. Bon, le coffre doré, c'est le petit bonus, mais bon, j'en ai pas tellement besoin. Je fais un peu ma fine bouche, mais bon, on verra ça plus tard. Bah écoutez, en tout cas, je suis quand même très contente d'avoir pu découvrir de nouvelles choses. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne continuation. On se dit à bientôt, certainement pour une prochaine mise à jour avec du nouveau contenu. Restons très optimistes parce qu'il y a de quoi l'être en tout cas. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!